Salut à tous, c'est XusCarter, on se trouve aujourd'hui pour la suite de notre gameplay sur Star Wars The Old Republic. Et on va aujourd'hui s'attaquer à l'avant-dernière extension du jeu en date, qui est Les Chevaliers de l'Empire Tombé. Enfin, Knights of the Fallen Empire, si vous préférez. Je préfère le dire en français mal plutôt que de... Enfin bref. Accepter, et on clique sur Jouer, et on lance le chapitre 1. C'est comment est-ce que ça marche? L'heure est au chaos, une mystérieuse armée dirigée par des conquérants jumeaux a semé la destruction sur les planètes touchées par la guerre entre la République Galactique et l'Empire Sith avant de disparaître dans un espace inconnu. Pendant ce temps, une menace plus ancienne plane encore. L'ancien empereur Sith, ressuscité après avoir éradiqué toute forme de vie sur la planète Dios, est également volatilisé sans laisser de traces. Déterminé à traquer ses dangereux ennemis coûte que coûte, le chef de l'Empire Darkmar a rassemblé des alliés provenant des deux factions pour l'accompagner dans une incursion au coffin de l'espace sauvage. On va laisser en histoire et on va faire lancer. Hein. Vous êtes prêté à progresser au-delà d'un point d'arrêt très crucial et à commencer. Bah oui. Hein. Oui, je veux vraiment commencer. Lancer. Un homme peut avoir tout ce qu'il veut s'il est prêt à faire des sacrifices. Par votre naissance, je fais ce vœu solennel. Vous n'aurez rien. Votre seul privilège sera la boue. Les ténèbres. Seule votre ambition vous guidera. Tous vos serments, toutes vos promesses n'appartiendront qu'à vous. La guerre sera votre seule liberté. Vos pertes seront votre seul héritage. La douleur sera votre seul droit. Et quand les ténèbres vous trouveront, vous devrez les affronter seul.
savais déjà. Brièvement étape, mais nous devrions nous ravitailler autant que possible. Carburant, ration et divertissement, c'est noté. Mais n'oubliez pas à bord de quel vaisseau nous sommes. La trêve ne nous dispense pas d'être vigilants. Maître Jedi ? Capitaine ? Darkmar vous attend sur la passerelle. Vous vous souvenez du chemin, je pense. Mar a-t-il réellement remonté la piste de l'Empereur Sith jusqu'ici ? Je n'ai pas la prétention de parler au nom du Seigneur Mar. Cela dit, il n'est pas du genre à exagérer. Bienvenue à bord. C'était tellement bien ! Oh, on fait un truc. Wow. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un truc aussi épique. Ça me fait tellement bien en plus. Bon, c'est pas tout ça, mais apparemment on a un empire à détruire en plus de celui-là qui nous colle déjà sur le dos. Bah, honnêtement, avant de comprendre que cet empire éternel, hein, comme ils se font appeler eux-mêmes, avant que cet empire éternel, que je sache que cet empire éternel plutôt a attaqué les deux camps l'un comme l'autre. Moi je pensais que c'était un truc qui n'avait aucun rapport, qui se passait complètement avant. Mais en fait non, ça se passe à la suite de la destruction de Zyost, etc. quoi. J'étais absolument pas au courant. Bref, Darkmar, au moins un qui est sympathique dans l'histoire. Alors, on va aller lui parler. Il paraît qu'il a été repéré. Il est classe son vaisseau amiral, n'empêche. Hein. C'est au moins un truc qu'ils savent faire, les impériaux, c'est faire des vaisseaux. J'ai bien reçu votre message. Et maintenant que je suis ici, je le ressens aussi. Chaque seconde qui passe nous rapproche de lui. De notre ancien empereur. Sait-on ce qui a pu l'amener dans cette région ? Les cartes de mon vaisseau manquent d'informations. D'après la rumeur, ce secteur abrite de nombreuses civilisations. Mais nos seuls avant-postes proches ont été inexplicablement détruits. Les coupables n'ont jamais été identifiés. Que fait-il ici ? Pourquoi a-t-il absorbé toute vie sur Zyost, puis détalé jusqu'aux confins de l'espace sauvage ? Malgré ses démonstrations de puissance, il doit avoir un point faible. Sans quoi il ne se serait pas arrêté à Zyost. Une hypothèse réconfortante. N'est-ce pas ? Si nous parvenons à le localiser, je pense pouvoir convaincre le Conseil Noir d'agir. Mais qu'en est-il de la République ? Notre collaboration a été fructueuse, mais relativement limitée. Et officieuse, semble-t-il. Votre gouvernement nous aidera-t-il à neutraliser cette menace ? Je ne peux parler au nom du Chancelier Suprême. Mais je sais que les Jedi ne fermeront pas les yeux sur cette menace. Excellence, contact repéré à 15 km. C'est petit, aucune forme de vie détectée, une sonde peut-être. Les relevés sont identiques à ceux de la force inconnue qui a attaqué Corriban. Activez les boucliers, lancez la poursuite et détruisez-la. Vous
Nous en apprendrons plus long sur celui qui nous espionne en récupérant cette sonde intacte. La carcasse suffira. L'avantage étant qu'elle ne pourra pas révéler notre position. Là. Il y en a des vaisseaux. Manœuvres évasives. Virez de bord à 180 degrés. Sans combien ? Nous sommes abordés. L'ennemi a pris tous les ponts d'assaut. Je me charge des assaillants. Quant à vous, sortez-nous de là. Activez les déflecteurs arrière. Dérivez l'alimentation des canons vers les moteurs. Et maintenant, j'ai même plus de partenaire, moi. Ah si, quand même. Attends voir. Ah, donc j'ai plus de partenaires, encore mieux. Bon, moi je suis déjà plus limité dans le niveau, c'est déjà ça. Le bouclier ne tiendra plus très longtemps. On ne peut pas les laisser tomber. Nous devons les aider. Nous devons tenir cette position. Ils ont leurs ordres, nous avons les nôtres. Désactivez le bouclier et laissez-moi passer. Je m'en charge. Tout de suite. On va couvrir la sortie et veillez à ce qu'aucun retardataire n'arrive à vous contourner. Ah, on peut être méchant comme ça quand même. J'ai jamais rien vu de pareil. Regroupez-vous à la passerelle. Il faut garder le contrôle du vaisseau. Merci, on y va. Jamais de point de vie, moi. Hein.
des ennuis ici. Ils ont détruit le sas et les bras d'amarrage sont hors service. On ne peut rien faire. J'arrive tout de suite, Kira. Accrochez-vous. Dès que vous aurez une ouverture, quelqu'un doit prévenir la République. On ne peut pas vous abandonner. Il le faut. Allez, Kira. Très bien. Mais vous avez intérêt à nous suivre de près. Que la force soit avec vous, maître. L'ennemi a investi le pont des machines. Ils en ont après le générateur principal. Je me rends sur place, retrouvez-moi là-bas. Mais enfin bref. De toute façon, un jeu en principe où il y a des vaisseaux spatiaux qui explosent de partout, j'adore. Alors franchement, là, je suis aux anges. Et des morceaux. La passerelle est sécurisée, mais sans alimentation principale, nous serons détruits en quelques secondes. Ne perdons pas plus de temps, alors. Je suis carrément avec Darkmar. B. Force hostile en approche du pont. Installation des barricades. Tenez bon.
ou mourrez en essayant de le faire. On ne perdra pas cette position. Je vais le faire sur ma tête. Détermination imminente. Oh, j'ai conservé mon équipement là. Bref. Le noyau. Ouais, je sais pas ce qu'il y a eu, bref. L'hyperpropulseur est complètement grillé. Ennemis sur la passerelle. Je répète, ennemis sur la. Il existe une commande auxiliaire rudimentaire, mais les vaisseaux ennemis nous encerclent. Nous n'avons guère d'options. Alors nous en emporterons un maximum avec nous dans la tombe. Je suis d'accord. Eh mais attends, ça veut dire que je vais mourir, ça ? Ah non, je suis pas morte. Tant mieux. C'est quoi ces menottes ? Vous êtes réveillé. Je gage que vous pouvez marcher. Quel est cet endroit ? Mon vaisseau amiral. Vous voici au cœur de notre empire. Dans quel empire venons-nous d'entrer ? L'Empire éternel. Zakel. Vous ignoriez donc tout du territoire que vous comptiez envahir. Nous n'avons rien envahi du tout. Nous cherchions quelqu'un. Dans un vaisseau de guerre. Ce n'est pas un ami que nous cherchions. Qu'espérez-vous accomplir en nous faisant prisonniers ? J'ai des questions. Vous m'en fournirez les réponses. Nous ne vous dirons rien. Vous n'aurez pas besoin de parler pour me donner les réponses dont j'ai besoin. Race Arcane, la dernière séquence d'amarrage a été lancée. Du moins ce qu'il en restait. C'est fascinant.
L'influence des Jedi est impressionnante. Quand je pense qu'une seule d'entre vous a pu faire basculer une guerre de cette ampleur. Je sens que vous possédez aussi un lien puissant avec la Force. Je crois que nous avons plus que cela en commun. Prince Arkhan. Escal, vous attendez toujours la catastrophe que vous et vos descendants avez prédite ? Vous pouvez faire la sourde oreille au murmure du destin, mon prince, mais on ne peut les réduire au silence. Je me demande si votre silence suffirait. Emportez vos superstitions ailleurs, Escal. Nous n'avons pas besoin de vous ici. Est-ce pour cela que vous nous avez fait venir ? Pour vous entendre vous prendre le bec avec des prophètes ? Venez. Vous nous conduisez à votre maître. Je vous conduis à mon père, Valgorion, l'empereur immortel de Zakel. Un empereur ? Voilà justement ce que nous cherchions. Vous ne trouverez pas ce que vous cherchiez ici. Intéressant. Glorieuse Majesté, le maître immortel et protecteur de Zakel, l'empereur Valgorion. Bienvenue. Un nouveau nom, un nouveau visage. Mais il en faut plus pour nous échapper. L'empereur Sith, votre aura est reconnaissable entre toutes. Oh, une erreur a bien été commise. Mais par qui ? Un second empire ? Même vous, vous n'auriez pas pu bâtir tout ceci. Il existe forcément une autre explication. Vous supposez que mes pouvoirs ont des limites ? C'est faux. Votre silence perpétuel au cours de notre histoire, c'était cela que vous étiez occupé ? C'était mon objectif. Le reste n'était qu'un moyen de parvenir à mes fins. Vous dites que vous avez fait tout ce chemin pour me trouver. Me voici. Que voulez-vous ? Vous annihilez, une bonne fois pour toutes. Vous prétendez me connaître. Dans ce cas, vous connaissez l'étendue de mes pouvoirs ? Quels qu'aient été vos espoirs en venant ici, en votre fort intérieur, vous savez que c'est peine perdue. Mais vous n'êtes pas obligé de m'affronter. Vous pouvez vous prosterner. Plus jamais je ne me prosternerai devant vous. Vous préférez mourir ? Plutôt que de reconnaître ma supériorité. C'est vous qui craignez la mort, Valgorion. Pas moi. Je ne me prosternerai pas. Ah !
sortez de cette pièce! Tout le monde dehors! Pourquoi renvoyer vos partisans? Vous avez des choses à leur cacher? Ils ne sont pas comme nous. Au cours de ma longue vie, vous seuls avez mérité toute mon attention. Tout comme moi, vous laissez votre empreinte sur la galaxie, partout où vous allez. Regardez autour de vous. Zakel est sur le point de devenir la plus grande civilisation de toute l'histoire de la galaxie. J'ai forgé cet empire pour qu'il supplante toutes mes précédentes créations. Il durera l'éternité. Le trône éternel commande la plus grande flotte jamais créée. Il est suffisamment puissant pour remodeler la galaxie à mon image. À notre image. Je partagerai tout cela avec vous. Si vous vous prosternez. Intéressant. J'aurais tendance à dire j'accepte pour gagner sa confiance, ensuite je lui foutrai un coup de poing dans le dos. Votre puissance est indéniable. J'en ai fait l'expérience. Si nous unissons nos forces, rien ne pourrait nous arrêter. Je suis prête. J'aurais peut-être pas dû finalement. Battu pendant des années. J'ai tout sacrifié, y compris la vie de mon frère, dans l'espoir de recevoir une telle invitation. Vous avez fait ce que je n'ai pas pu faire. En échange, je ferai ce que je peux faire. Vous avez commis votre dernière erreur. Père. Quoi ? Le temps nous le dira. L'étrangère a assassiné notre empereur. Emmenez-la. Quoi ? Oh, ça va chier. Toi, tu vas être le prochain sur ma liste à tuer. Assassiné par une étrangère, dans une tentative pour ébranler notre glorieuse société. La meurtrière recevra rapidement son juste châtiment, et cette agression gratuite ne restera pas sans réponse. En tant que nouvel empereur, je vous promets ceci. Les ennemis de Zakel découvriront la puissance du trône éternel. Ils devront répondre de leur comportement belliqueux. Et les mondes du noyau brûleront jusqu'au dernier. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour la suite. Salut !